La charge menée ce mardi par François Hollande contre la réforme de l'ISF menée par Macron sonne comme une réponse au pic lancé par le nouveau à l'ancien chef de l'État. Selon une première estimation de l'INSEE, en 2016, le taux de pauvreté baisserait de 0,3 point à 13,9%, du fait notamment de la création de la prime d'activité. La directrice de la communication du PCF accuse l'ex-candidat à la présidentielle d'attouchement dans les couloirs de l'Assemblée, en 2009. Le député affirme n'avoir aucun souvenir. Le Libellé présentant les trois modèles différents de poupées, filles, garçons ou ethniques, provoque un tollé sur Twitter depuis dimanche dernier. L'enseigne a présenté ses excuses. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les critiques portant sur sa politique font régulièrement référence aux ménages les plus riches, qui seraient les principaux bénéficiaires de ces réformes. L'occasion de rappeler comment les statistiques officielles situent le niveau de richesse en France.